Nous avons longtemps versé du sang pour la paix au Congo. Alors ne laissons rien pour après. Car après c'est souvent trop tard. Les jours et aujourd'hui, l'instant est maintenant. La paix, je veux la paix. La paix, moi je veux la paix. Oh. Bongo, nous voulons la paix. Congolais, nous voulons la paix. Oh. Les gens autour de moi sont jaloux. Jaloux, jaloux, jaloux. Où est-il, source de bonheur? Viens à moi, hein. Oh, la paix. Oh, Congo, les coffres forts de l'Afrique, la locomotive de tout un continent. Éditons la paix. Oh, oh, oh. Actuel à l'Est, à Kamoutou, Yere Ayumi, au Kasaï. J'en cite moins. Éditons la paix. Oh, oh, oh. Actuel à l'Est, à Kamoutou. Yere Ayumbi, au Kasaï. J'en cite moins. Les femmes violées, les hommes assassinés, village pille, oh quelle douleur. Chers leaders, faisons les choses avec éthique pour honorer notre peuple. Arrivons de mettre à côté nos rivalités, nos divergences, nos désaccords, notre égoïsme. Unissons-nous en un seul homme et faisons face à l'ennemi qui détériore la vie de nos paisibles citoyens de part et d'autre. Bonjour tout le monde! ANP viva! ANP viva! Fasciste président! Très bien, madame, pour la vision de mon corps. Madame, bien, bien fait ça! Très bien! Leurs Excellences, Messieurs les autorités de référence, Son Excellence Maître Guy Loiseau. 11h15, 12h15, présentation des candidats ANB, autorités de référence. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et autorité de référence du regroupement politique ANB, Leurs Excellences, Monsieur les membres du gouvernement central, Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, honorables députés provinciaux, Messieurs les membres de la conférence représentant du regroupement politique ANB, un rêve pour notre autorité de référence, Son Excellence Guy Loiseau Mboyo, à qui je rends hommage à ce jour, grâce à qui ce rêve est devenu une réalité. Qui je demande à l'Auguste Assemblée d'applaudir. Mon pays, à ma patrie, aujourd'hui,
l'autorité de référence de ANB nous a donné l'occasion de réaliser la première étape de ce rêve en nous plaçant aux commandes de ce regroupement dans lequel nous portons un grand estime et dévouement. Qu'il trouve dans ces mots notre profonde gratitude. Le pays, la République démocratique du Congo, a emprunté un chemin de son développement depuis l'avènement au pouvoir du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, malgré vents et marées, continue à tenir le flambeau du redressement de ce grand et beau pays. Pour pérenniser son action, assurer la continuité de l'œuvre du président de la République, il nous faudrait sa réélection à la magistrature suprême et le même gouvernement pour matérialiser son action. Cela doit être possible qu'avec des élections qui se pointent à l'horizon et une majorité parlementaire écrasante sera acquise. C'est dans cette optique qu'une machine politique a été constituée sous le leadership de notre autorité de référence, dénommée à nous de Bâtir le Congo, ANB en sigle. La conférence des présidents du regroupement politique ANB est composée des partis politiques suivants. Les bâtisseurs du Congo, avec comme président honorable Jacques Njoli. Le parti politique Congo des valeurs, avec comme présidente honorable Gertrude Kitembo. On applaudit, s'il vous plaît. Nous avons le parti politique Palou, avec président Godefroy Mayobo, ici représenté par le secrétaire Pénin. On applaudit. Nous avons le parti politique Code, avec comme président honorable Pechi Ilonga Jean-Marcel. Nous avons le parti politique UDL, avec comme président Constantin Koloka. Le parti politique PLD, honorable Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. On accueille bien, très bien fort. Le parti politique AADR, présidente Nanou Sadiki. Le parti politique LPR, président Jacques Bachali. Le parti politique RSP, avec comme président Ivan Ilunga. Le parti politique UFEC, avec comme présidente Madame Grace Mouya. Le parti politique Congo Fort Nationaliste, avec comme président Papi Tshamala. Le parti politique Agir Ensemble, président Yannick Lukusa. Je suis là. Le parti politique Anafec, président Laurence Kumbu. Le parti politique TPC, ADLC, Nestor Lomeka. Le parti politique RCDP, Didier Moussete. Mission principale, la réélection du président de la République et la composition d'une majorité acquise au développement de la RDC. Conduire à la destinée de ce regroupement, c'est une grande machine politique. Pour nous, ce n'est pas un privilège, c'est plutôt une lourde responsabilité, car dit-on, gérer, c'est servir. C'est un sacerdoce, c'est une mission noble d'encadrer et d'orienter les grandes décisions servent le développement de notre nation. Tous candidats qui ont accepté cette lourde tâche de devenir représentants et esclaves du peuple congolais. Nous les exhortons à ne pas s'écarter de cette lutte noble, de ne ménager aucun effort pour la réussite de notre regroupement ANB. Chers candidats, trouvez en ces mots nos encouragements de notre volonté de vous accompagner tout au long de ce processus électoral parsemé de beaucoup d'embûches. Cela se fera sous le leadership de notre autorité de référence
Maître Guillaume, que nous appelons commune. Un nouveau Congo, c'est la République qui ne se contente pas d'inscrire la démocratie sur ses monuments, mais qui l'inscrit dans la réalité de la vie quotidienne. Un nouveau Congo, ce n'est pas la République où tout le monde reçoit la même chose. C'est la République où chacun reçoit selon son mérite ou son handicap. Un nouveau Congo, ce n'est pas la République où il y a des droits et aucun devoir. C'est la République où les devoirs sont la contrepartie des droits. Un nouveau Congo, c'est là où les hommes et les femmes ont les mêmes droits, les mêmes avantages, les mêmes possibilités de carrière, la même considération. Chers camarades, la tâche est immense, mais elle en vaut la peine. Que vive la patrie, que vive le regroupement politique à nous de bâtir le Congo, que vive l'union sacrée de la nation, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Très fort. Il va présenter les candidats nationaux, provinciaux et... Avant tout ce propos, je vais demander encore à tous les quatre, à tous les candidats qui sont dans la salle, de rester un peu debout. Nous allons entonner une chanson qui m'est très chère. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, on est très honorés ici par la présence. Je salue très respectueusement de mon aîné, mon papa, l'excellence Modeste Moutinga. Merci d'être là. Il s'agit de ta famille. Nous vous accueillons. Monsieur l'ambassadeur itinérant, chef de l'État. Honorable Dani Banza, merci d'être là, monsieur le président d'honneur du parti AREP, monsieur Jean-Claude Kabongo, merci d'être là. Mesdames et messieurs les gouverneurs des provinces, mesdames et messieurs les hauts cadres du parti, du regroupement à nous débattir du Congo, principalement les présidents des partis, membres de ces regroupements à nous débattir du Congo, chers camarades et cadres, militantes et militants, du regroupement politique à nous débattir du Congo, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Ce jour du samedi 30 septembre 2023, qui marque la fin du mois de septembre, est un jour consacré à l'équipe de la Bible. Et pour nous, croyants, les membres du regroupement politique à nous débattir le Congo, une journée historique. Il s'agit de la tenue de la toute première fois depuis sa création d'un conclave de ce regroupement. Ce qui augure le lendemain meilleur. C'est ainsi qu'avant toute chose,
je tiens à remercier tous les membres de notre regroupement venus de tous les points de la ville, de la province de Kinshasa, des quelques provinces de la République et de la diaspora congolaise. Ce qui constitue un échantillon largement représentatif des membres de notre regroupement, et je suis convaincu qu'en adressant à vous, vous allez fidèlement transmettre à nos membres mes salutations, mes recommandations et la conduite à tenir en cette période électorale émanant de l'autorité de référence que je suis. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour transmettre à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la paix, sans laquelle nous ne pourrions nous réunir ici, dans ce beau cadre des chapiteaux de la gare, l'expression de mes hommages le plus déférent. Aussi, l'expression de mes sentiments, de haute considération, je les adresse à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. J'ai cité M. Samba Lukonde. Mon intervention de ce jour va comporter sur deux points, à savoir pourquoi nous sommes là. Et cela va être clôturé par quelques recommandations en cette période pré-électorale. En effet, en sciences politiques, l'objectif principal de tout parti ou regroupement politique consiste à conquérir le pouvoir. La conquête du pouvoir demeure en démocratie un élément clé de toute bataille politique. C'est ainsi qu'il existe deux options. Soit participer individuellement à ces jeux démocratiques, appelés élections, soit collectivement en mutualisant les efforts avec les autres partis afin de parvenir à la victoire. Pour RB, notre objectif, c'est la réélection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un deuxième mandat à la tête de notre pays, en vue de lui permettre de continuer à réaliser ses actions positives et bénéfiques à l'ensemble de la population congolaise. Notre candidat à la présidence de la République étant connu depuis la création de notre regroupement, ANP vient à ce jour d'aligner près de 421 candidats députés nationaux et 650 députés provinciaux. Comme nous pouvons le constater, ANP a mis en place toute une stratégie en vue d'assurer à son Excellence Monsieur le Président de la République une majorité nationale, provinciale et communale. Voilà. Le destin de notre pays ne peut se concevoir sans la projection vers le futur. Dans ces conditions, l'épanouissement intellectuel, moral et financier reste un impératif à la quête de notre développement que nous avons l'obligation d'entreprendre avec conviction, détermination et passion. L'occasion singulière que nous offre la tenue de ce conclave devra être mise à contribution pour échanger sur les stratégies politiques et va nous permettre d'affronter efficacement les échéances électorales en vue d'apporter une moisson abondante à notre famille politique qu'est l'union sacrée de la nation. Pour ce qui concerne les candidats, je vous prie à observer une vigilance tous azimuts pour protéger l'unité, la sécurité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de notre pays. Deux, se mettre au travail pour la préparation chaque jour des élections à travers les communications politiques, la formation idéologique, la préparation morale,
psychologique et politique de tous nos candidats. Pour celles et ceux qui souhaitent anticipativement être au rendez-vous de l'histoire, il faut la formation des témoins, vu la complexité du scrutin qui va recourir à la fois au dispositif électronique et électronique de vote et au système manuel. Il vous est demandé, chers candidats, d'observer la courtoisie, la familiarité, la solidarité, la fraternité, la cordialité et le respect mutuel dans le respect de l'indépendance de chaque parti, membre du regroupement et de tant d'autres formations politiques de notre pays. Car, lorsque les grandes manœuvres arriveront, il s'agit bien sûr de manœuvres politiciennes, aucun comportement déviationniste ne sera toléré. Je termine donc mon mot en attirant votre attention sur la trahison. Une invitation est donc faite à tous pour résister au débauchage auquel il faut s'attendre le moment venu. Je termine donc mon mot en invitant tous à contribuer politiquement, idéologiquement et surtout financièrement pour permettre à notre regroupement de faire face aux échéances électorales. Et ce moment constitue donc le début d'un travail collectif dans un esprit républicain et bénéfique pour l'ensemble de la nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République. J'ai cité très respectueusement Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchibou. Que vive l'Union sacrée de la nation, que vive le regroupement politique à nous débattre le Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Je souhaite donc bon retour dans vos familles respectives, pour celles et ceux qui sont venus d'ailleurs. Je vous remercie. Et nous avons deux moments forts pour cette journée d'aujourd'hui. C'est d'abord présenter nos candidats à tous les échelons. Vous avez suivi, nous avons aligné 421 candidats de députés nationaux et 650 candidats de députés provinciaux, ainsi que des députés, disons, des représentations au niveau communal. Donc il faut qu'ils soient connus. Ce n'est rien ici, une campagne électorale, on est entre nous, au sein de notre grande famille politique. Cela n'est pas interdit que nous puissions présenter celles et ceux, d'autant plus que la CENI a déjà publié les listes et que tout a déjà été affiché sur le site de la CENI. Candidats députés nationaux, vous êtes candidats, candidates de la ville-province de Kinshasa. Nous allons commencer d'abord par le district de la Lukunga. Celles et ceux qui sont candidats du regroupement ANP dans les districts de Lukunga, veuillez vous tenir debout, l'Assemblée va vous accueillir. Lukunga, je vais appeler nos candidats. Je demande maintenant à tous nos candidats et candidats du district de Moamba. Vous êtes candidat député national d'ici de Moamba, vous êtes dans la salle, mettez-vous debout. On va applaudir de l'autorité de référence. Candidats et candidats députés nationaux du district de Tchangou qui sont. Je vous bénis comme votre. Nous allons aller en province. C'est comme j'ai mentionné, nous avons reçu la visite des provinces. On va commencer par la province de la Tchopo. Nous vous accueillons. Maman Marguerite Thomas qui était venue aussi avec le ministre provincial des Finances. Lyon de cette chaire, je vous bénis. Recevez les bénédictions de l'autorité. Amenez-nous les sièges dont on a besoin. Après la Tchopo, toujours dans la Grande Orientale, je vais aller dans le Haut-Touéli. Voilà.
Je vous bénis comme de votre autorité de référence. Allez-y et ramenez-nous le siège Baba Nanou qui représente parablement la promesse de Otoui. Pas une candidate. La grande orientale a décidé de se faire représenter par la Baba. Je t'utilise le nom qui vous qui sont dans la salle, je vous prie de vous tenir de vous sort. Voilà, chez l'honorable Mboulou là-bas. L'autorité de référence. Allez-y dans la grande bataille électorale et ramenez-nous les sièges dont on a besoin. Candidats et candidats de la province de Sipibou, qui sont dans la salle, Sipibou. Voilà, je vois un camarade qui est là-bas. Ramenez-les au niveau de la grande province de Sipibou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, quand même. Allez. Je vous rate au rabou. Le bar-là, il vous rate raté. Alors, aux candidats du Maniema, qui sont dans la salle, de référence pour la couille. Et puis maman, présidente de la salle. Je demande alors à tous nos candidats. Oyama, la bénédiction. Il y a un adage, on chilou passe. Il y a pas ma pangoli, ok, mais on parle là. Par ailleurs, c'est un passé oriental, devant la grande autorité de référence. A tine l'imino, ma conteneur et ma pamboli, bon kende. Merci beaucoup. L'autorité de référence, Aza cause la siège. Vous avez la mission siège. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, mettez la castelle centrale, maman. Papa, il a mouru. Papa, il a mouru. On va la main ignoble. La candidate n'a pas gagné sur la main ignoble. Vous allez à vous. Kimia. Candidat à la mission, c'est un commun central basalien de ce qu'il a vu le mot.
Je crois que ton patient est. Et avant de remettre le micro, on va organiser le gâté. Vraiment, oui, ça va dans un bébé. Où est-ce qu'il y a le boulevard? Fatima! Donc on dit batété là, batété là. Drapeau Nicolas, si vous. Vitesse d'Afrique. Drapeau Nicolas, drapeau Nicolas. Fatima! Vraiment, nous avons une joie immense d'abord, premièrement, et c'est un plaisir pour nous de servir les regroupements et d'apporter notre soutien total au chef de l'État, Félix Tshisekedi-Tchilombo. C'est le temps de rebâtir. C'est le temps de nous lever afin de rebâtir notre contrée. Notre province, Lomami, a un grand travail. Et comme l'opportunité nous est donnée et la chance nous est donnée, j'appelle à toute la population de Ngandajika de s'élever ensemble derrière le chef de l'État, d'accompagner sa vision qui est encore au début. Il a encore un grand chemin à poursuivre et nous devons accompagner sa vision. Merci beaucoup. C'est ce que je fais. Bonjour Gordon. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à notre micro. Merci, Miss Adela Latina, interfédérale anti-politique et amadère. Thank you.
Nous ne voulons pas que la base soit utilisée comme des escaliers, comme on les utilise les esclaves. Nous voulons que les Congolais puissent se prendre en charge, de pouvoir au moment opportun choisir une personne par rapport à leur projet de société, pas par rapport au cadeau des candidats. Donc nous sommes au moment de rupture, nous appelons bien Congo fort. Nous voulons que le Congo puisse se remplir des valeurs, parce que ce sont des valeurs qui vont relever les pays. Pendant plus de 63 ans, nous avons que la même musique, plus de personnalité, la même chose, les chansons, tout ça. On a marre, on va autrement. Offrir au camp, le social, la sécurité, quelque chose de solide. Ah, moi j'ai des amis ici, des camarades à moi qui s'aiment bien, papa Kikoba, Agnès, je souhaite bonne chance à ANB. On a entendu un bon discours aujourd'hui. La part de M. Guy Loando, qui est notre président de l'État de Boko. Oui, c'est une très bonne chose. Donc, tenir la main dans la main. Et relever les défis. On parle à Kin, parle à Congo. Ils ont un albino, papi Djamala. C'est le meilleur trop pour la mettre les Sikaboyo. Dans mon courant, le 30 septembre 2023. Sorti officiel de contrat pour AMB, c'est pas de la trop, on arrête les Sikaoyo, mais ça, c'est beaucoup. Message de rupture, on dit qu'on va amener pour la peuple congolais, à son espoir que non, ou pas si les alliés. À Kacha NB, Congo fera ça, Kacha NB, soutien à président de la République, maintenant, message pour la rupture. Nouvelle classe politique, il y a Sika. Mais ça, il y a Sika. Un projet de société habillé pour la Congolais Nyonso. Mais sur un 100 dollars, la jeune Nyonso, de 18 ans à 25 ans, gratuitement, sans aller Congolais de père et de mère. Pour qu'on soit un monde, pour qu'on soit fort et la Congo forme, pas de même pour la Congolais Nyonso. Merci. Thank you.
des jeunes, il y a parti Panico, puis candidat provincial pour préciser ce qu'on veut. Nous sommes tellement contents parce que nous avons une population, il y a un bureau et il y a qui met la mission de répondre à ce gouvernement. Et puis elle a qui sait réellement qu'ensemble, on peut faire ça, partir de toi deuxième. Donc voilà, c'est là que nous l'avons démontré. Nous-mêmes, vous avez vu pas des images et la population a été là et ici à répondre au gouvernement pour le gouvernement. Et puis nous saluons le président du gouvernement, l'honorable Bernard Kayumba, ainsi que l'autorité morale qui est l'excellence. Donc voilà, et puis je propose que ce qu'on a eu, c'est la Congolais, nous on sera la commune en même temps. Et on peut se mettre ensemble parce que cette fois-ci, la génération jeune doit prendre les relèves. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.